La fenêtre, ouais. Et quand la police viendra, j'y mets, parce que j'ai fumé un pétard, vous pouvez pas me juger. Donc on est dans un pays où on peut tuer, après avoir roué de coups et traité de sale juive une femme, et juste parce qu'on a fumé ou pris de la drogue avant, on n'est pas jugé. Par contre, on a du discernement quand on frappe à sa porte et qu'on va la frapper et quand on la passe par-dessus bord. Donc je comprends plus rien, je vous promets, je comprends plus rien. Et j'ai un peu honte en fait. J'ai un peu honte. Voilà. Maintenant le problème c'est que je suis très hypochondriaque, donc je sais pas si je suis capable de fumer un pétard. Putain. Mais c'est quoi ce pays, putain? C'est quoi ce délire? À Paris, quand un âme fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, je vois de tourner.
Merci. Qu'il n'y ait plus jamais d'autre Sarah Halimi. Et pour que vive la France. 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 S'introduit chez une de ses voisines, une femme de 65 ans, ancienne directrice de crèche, la roue de cou et la défenestre malgré ses pleurs et ses hurlements. L'appartement est maculé de sang. Cette femme s'appelait Sarah Halimi. Elle était juive. Crime antisémite ? Pas simple. Mais non. Il a qu'à être fou. Et donc, irresponsable. Avec plus de 20 condamnations et une trentaine de mains courantes déposées contre lui par le passé. Mais alors ? Eh bien, il n'a jamais été déclaré irresponsable jusque-là. On peut devenir fou. On trouvera bien des experts pour ça. En plus, il a très bien joué le fou. Et quand tu es fou, tu peux réciter des sourates du Coran juste après ? Pourquoi pas ? Et quand tu es dingue ? Tu commets un massacre comme celui-là ? Tu peux arriver à prier en même temps. Oui, on a fait réflexe, sûrement. Ok, je connaissais pas. C'est pas un peu raciste. Qui crie à la Akbar pendant le meurtre, il est dingue. Faites passer. En plus, comme il est dingue, ce sont les autres les racistes. Ok, donc postulat de départ, il est dingue. Voilà. Ça passera jamais. En plus, il a fumé un pétard alors. Bah, c'est une circonstance aggravante. Quand tu fais un excès de vitesse, oui. Pas quand tu massacres une vieille juive. Ah bon ? Évidemment. On est aux assises. Pas au tribunal de police. Non. Ah bon ? Non. Comme il est dingue et drogué,
Il n'ira pas aux assises. Oui. Claude Rouguier, on a juste trouvé du cannabis. Moi-même. Et alors? Le cannabis, c'est pas la drogue, peut-être? Mais pour un habitué comme lui, fumer ne provoque aucune crise de démence. On s'en fout. Il est dément de base. Alors quand tu es dément et que tu fumes. Ça passera jamais. Il n'a jamais vu un psy lors de toutes ses condamnations et il a tenu des propos tout à fait raisonnables devant les policiers lors de son arrestation. Normal. La crise de démence n'a eu lieu que pendant le meurtre. Bon, au bout d'un moment aussi devant les flics. Sinon, on n'a pas pu se douter. Bon, si je comprends bien, il est totalement sain d'esprit, il va voir cette vieille juive et tout d'un coup, il est pris de démence et il la massacre. C'est bien ça. Voilà. Ah, ok. Une fois qu'il l'a massacré, il redevient sain d'esprit, il la balance par la fenêtre pour faire croire à un suicide, et puis il va prier. C'est bien ça? Exactement. C'est fou la démence, non? Oui. Incroyable. Faut le voir pour le croire. Toute cette torture, cette barbarie. Mais la justice française ne pourra pas avaler ça. Les policiers présents sur place ne sont pas intervenus. Et ce sont des élections. Les astres sont avec nous. De toute façon, l'ordre moral, c'est nous. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Comment ça va, toi? Bah, oui. J'ai mon petit chien qui m'a fait dire trois secondes. Suffirait-il de fumer un joint et de prétendre à la folie pour être déclaré irresponsable? Nous demandons un procès afin que la lumière soit faite. Nous demandons justice afin que Sarah Halimi ne meure pas une seconde fois. Allez, c'est devant ma tête.